Salut à tous, aujourd'hui on est mardi 16 janvier, il est midi 17 et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai commencé une crise d'angoisse en train de se calmer puisque j'ai pris un médicament, mais c'est typiquement le genre de jour où je me dis là il faut vraiment que je fasse que ce qui me plaît, que ce que j'ai envie de faire. C'est compliqué quand on n'a pas son appartement à soi, et ça fait partie des choses qui font que je vais pas hyper bien en ce moment. Voilà, je voulais vous emmener dans un vlog où tout n'est pas tout beau, tout édulcoré, tout rose. C'est pas le top pour moi en ce moment, j'ai vraiment du mal avec ce manque d'autonomie, avec le décès de mon papa, avec ma prise de poids, avec plein de choses. Même si j'accepte mon corps tel qu'il est, j'aimerais bien quand même perdre quelques kilos, sortir de l'obésité. J'accepte mon corps tel qu'il est, mais savoir que je suis en mauvaise santé, c'est pas ce qui me convient le mieux. J'ai posté une vidéo ce matin sur mon painting, j'espère qu'elle vous plaira. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour avoir les retours, puisque je l'ai posté à 8h30 du matin à peu près, et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, vu la tranche d'âge qui me regardent, qui sont au travail, donc je laisse le temps faire. J'ai pas trouvé mieux pour la miniature, j'ai pas commencé à faire de miniature, donc j'ai pris des captures d'écran dans la vidéo. Je suis désolée pour la miniature du coup. Sur la vidéo d'hier, il y avait pas mal de déco. J'ai essayé de baisser l'écho parce que j'ai rajouté un micro. Voilà, j'espère que là, ça, tout est nickel. Donc là, ce midi, ça va être friand, tout simplement. Je vais les mettre au four, on va les manger, basta. Ce soir, je vais faire un peu plus élaboré. Je vais faire pâtes, gésier, fondue de poireaux. Voilà, la fondue de poireaux, j'adore ça. Sérieux, si vous n'aimez pas les poireaux, vous sous-estimez la fondue de poireaux, car c'est vraiment hyper bon. Autant les poireaux vinaigrettes, j'aime pas ça, mais... Autant la fondue de poireaux soit sur un panton, avec des pâtes, voilà, c'est trop bon. Mon plat préféré d'ailleurs, c'est pâtes poireaux lardons. C'est un truc tout bête que ma soeur nous avait fait quand mes parents manquaient d'argent. C'est vrai que ça coûte pas cher à faire. Il faut des pâtes, des poireaux lardons, un peu de crème fraîche, un peu de gruyère, voilà, et c'est super bon. je sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, je suis un peu soufflée parce que j'ai du mal à respirer quand je fais une crise d'angoisse, ce qui est normal, même si je ne fais pas des crises d'angoisse aussi intenses que certaines personnes, je fais quand même des crises d'angoisse, et là c'en est une, donc voilà, c'est comme ça. J'espère que ça va passer assez vite. Je vous dis à plus tard pour ce petit vlog. Et voilà, la crise d'angoisse est passée. Je vais peut-être aller faire un petit peu de vélo d'appartement avec de la musique. J'aime bien faire ça en ce moment. Ça me défoule. C'est pas pour faire du poids ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que ça me défoule de faire du vélo. Tout en sachant que moi, la petite anecdote à moi, je ne sais pas faire de vélo, je n'ai jamais appris. J'ai jamais appris, donc je ne peux pas savoir en faire. Mais c'est jamais un truc qui m'a attirée. Enfin, même quand j'étais petite, on n'avait pas de vélo chez nous, donc j'ai jamais appris. Voilà. J'ai mangé, mais j'ai encore un peu faim. À voir si je me fais pas un de mes fameux sandwich au fromage, entre guillemets, en fait. Mais je prends deux tranches de pain mie, je prends du fromage un peu coulant, enfin, qui a une pâte molle, voilà. Je mets ça au micro-ondes pendant une minute. Bon, ça empeste, mais avant je faisais avec du camembert. Enfin bref. Donc voilà. Ce qui est bien maintenant, c'est que les crises, je les sens venir en fait. Vous avez dû voir tout à l'heure que j'étais pas totalement angoissée. Regardez ce micro, enregistre bien. Vous deviez sentir tout à l'heure que j'étais pas tout à fait angoissée, mais c'est parce que je la sentais venir. Et vu que j'ai senti venir, j'ai préféré agir en prenant un médicament plutôt que d'attendre que ça s'aggrave. Et voilà, en fait, ce qu'il y a qui est bien avec. Enfin, l'avantage que ça fasse longtemps que je sois malade, c'est que je me connais bien, je connais mes limites, je sais comment réagir et comment. Comment gérer certaines situations. Je connais mes limites en fait. Donc voilà. Je vous prends plus tard. Je fais des bisous. I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast. And that no.
On est mercredi 17 janvier, il est 11h. Hier, je vous ai pas repris parce que j'étais pas bien du tout. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est encore faible. J'ai du mal en ce moment. C'est pas une période hyper cool pour moi. C'est plutôt un état un peu dépressif, on va dire. J'attends le concert. Et après, je verrai si je me fais hospitaliser ou pas. J'ai pas vu en même temps mon psychiatre depuis août, je crois. Et donc, c'est très compliqué et je sais pas si le traitement me convient ou pas. Enfin, c'est le seul psychiatre du CMP de là où je suis. Mais c'est très dur de voir son psychiatre qu'une fois tous les 6 mois, quoi. Je crois que j'aurais besoin de plus, mais bon. Heureusement, il y a Morgane qui a un soutien psychologique à mes côtés. Ça m'aide beaucoup. Voilà, quoi dire à part ça, bah, je vais maquiller, là je vais chanter un peu pour le concert, m'entraîner un peu. Et puis bah, je vais faire du tricot et voilà, je vais être dans la douceur, dans le minimalisme. Enfin, j'ai avancé en douceur jusqu'à samedi, après je verrai. Donc voilà, je reprends plus tard, moi je vous fais des bisous. Salut, on est jeudi 18 janvier et il est 14h30 à peu près. Hier, je ne vous ai pas repris parce que j'ai fait une longue sieste. Ensuite, le soir, je suis allée chez Fred. On a bu quelques bières. J'ai décidé de boire quand même, de réguler ma consommation, mais plus de grosses consommations excessives et tout, mais de réguler vraiment. Parce que, comme je vous avais dit, arrêter, c'est vraiment trop dur. Ça met trop de pression, moi je supporte pas la pression. Les addictions, de façon, dans la maladie, c'est fréquent. Il faut l'accepter, le gérer au mieux. Je suis passée à l'action ce matin et j'ai trouvé une pelote de laine comme ceci. Elle est trop mignonne, regardez, il y a toutes les couleurs et tout. J'en avais déjà pris deux, mais je trouvais que ça faisait pas assez. Et donc j'ai essayé de faire un petit ouvrage avec. Je suis toujours dans mes écharpes, même si je suis désolée pour le soleil. Sinon, ouais, on allait manger au resto chinois. Un buffet à volonté, alors moi je suis contente parce que dans celui où on va il y a des fruits de mer. Alors oui, je vais au resto chinois pour manger des fruits de mer et en dessert des bonbons. Mais écoutez, hein, c'est buffet à volonté, il n'y a pas d'autre buffet à volonté dans ma ville donc faut faire avec ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai pas fait de vélo d'appartement. Je vais un peu mieux, mais c'est pas encore ça. J'ai hâte quand même que le concert ait eu lieu. Pour voir ce que je fais après, si jamais je me sens mieux ou voilà. Là j'ai faim, je vais aller manger un truc. Parce que j'ai pas mangé ce midi vu que je me suis levée tard. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis bah on se reprend plus tard. Salut, on est vendredi 19 janvier, la veille du concert. Il est 14h18 je crois. Je me suis allée chez le coiffeur comme vous le voyez peut-être. Elle m'a fait des ondulations, donc je sais pas comment ça va se passer à la fin, mais je me sens plus légère en tout cas. Et ça m'a vraiment fait du bien au moral déjà. Hier ça allait mieux. Aujourd'hui ça va vraiment mieux. Donc bah voilà, faut pas désespérer quand on va pas bien. Faut aller dans la slow life. Faut se reposer, faut prendre soin de soi. Et puis bah ça va finir par passer. Voilà. Mais ouais, je suis contente. Je reprendrai, je vais juste faire un petit point avec vous. Pour dire que voilà, ça allait mieux. Que je pensais plus à l'hospitalisation et que je m'en sortais très bien toute seule. Je vous reprendrai dimanche après le concert pour vous faire un petit débrief de tout ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche, mais à tout de suite pour vous.
Salut, on est dimanche et il doit être vers 10h40, un truc comme ça. Hier soir, c'était le fameux concert dont je vous ai parlé depuis un petit moment. C'était magique, c'était vraiment bien. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité, mais c'est pas grave, on va refaire une date sur le Mans, donc, on profitera plus à ce moment-là. Et puis, je veux pas passer pour la fille qui se plaint et tout, qui fait un super truc et qui se plaint, mais j'avais mis des chaussures qui m'ont fait super mal aux pieds, donc pendant 1 heure au moins, j'étais. Enfin, je sais pas, parce que le temps passe tellement vite sur scène qu'on se rend pas compte que à quel point ça peut. Combien de temps ça dure en fait. On a l'impression de rentrer sur scène et de partir aussitôt. Vous voyez d'ailleurs, j'étais tellement fatiguée qu'hier soir, je me suis pas démaquillée là. J'ai les yeux de panda, je suis désolée. Je sais que c'est pas bien, mais j'avais vraiment pas la force. Ouais, c'est magique, mais on se rend pas compte du temps qui passe. On a l'impression de rentrer sur scène et de sortir aussitôt. Et j'avais mes chaussures qui me faisaient super mal aux pieds. Donc pendant un petit moment, j'étais là. Il manque que ça s'arrête, il manque que je puisse bouger les pieds. En plus, on était sur une scène qui avait des roulettes. Donc on pouvait pas bouger. Donc, statique pendant 2 heures, c'est vraiment très compliqué. Donc, vous inquiétez pas si vous avez cette vidéo-là le dimanche. Ok, mes montages sont pas de ouf. Mais j'avais commencé à monter déjà la vidéo, donc je pense que vous l'aurez aujourd'hui. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, ça va beaucoup mieux, moi. Ouais, cette petite soirée avec Fred, plus ce coiffeur, plus ce concert qui est passé, ça va vraiment mieux. Donc, voilà. Quand ça va pas, il faut se dire que c'est éphémère et que ça va finir par aller mieux. Je crois que ça sera le mot de la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!